Salut, c'est Yann et John, c'est dans cette nouvelle vidéo de Zelda Twilight Princess. Eh ben Yann, aujourd'hui, que vas-tu nous présenter? Et ben aujourd'hui, je vais vous présenter comment on peut se changer en humain dans la maison de Giovanni. Alors là, vous voyez, enfin, normalement, on peut pas se changer, hein, t'es bien d'accord là. Bah ouais, Là, on peut pas se changer. parce qu'il a des... Là, on Comment peut ça pas s'appelle? se On voit, changer. il a des témoins. Ah là, il y a des témoins dans le coin. Alors, ce que tu fais, tu te mets dans le coin, tu apparais en premier. Tu te mets devant avec les pattes sur le bitume. Et tu te changes. Bah dis donc. Et là, t'es en humain. Bon, moi, j'ai capturé 41 âmes dans cette partie-là, mais j'en ai plusieurs. Sinon, vous pouvez voir. Hein. Si je sauvegarde, vous pouvez voir que dans celle-là, j'ai tout fini. Bon, j'ai recommencé plusieurs fois le jeu en même temps. Bah oui, c'est un seul, hein, vu le nombre de bugs qu'on a pu foutre. Surtout là, les princesses. Ouais, mais pas que. Oh, tu m'étonnes. Bon, alors je signale qu'ici on peut avoir des larmes de fée, mais il me semble que c'est connu de tout le monde. Et si vous avez les 60 âmes, il vous donne 200 rubis. Ce qui est Pas mal. très peu payé. Bon, Jones, une question? Comment on Vas-y. sort? Comment on sort? Bah, comment on rentre? Attends, t'es pas rentré par là, moi, est-ce que je sache, hein? Non mais comment dans une maison quoi. Ah oui. Et il ressort ici, hein, donc c'est à noter. Lol. Voilà, bon, c'était une vidéo de Bah, Yann et Yann de et Jones. Jones, éclatez-vous bien et Merci lâchez-vous vos commentaires. commentaires, Salut! salut!